Est-ce que nous pouvons acclamer encore plus fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons nous lever pour introduire ce thème avec Matthieu chapitre 6, le verset 10. Demain, apparemment, on va beaucoup parler de moi, donc prenez besoin pour moi de me présenter aujourd'hui. C'est un verset que nous connaissons et que nous pouvons d'ailleurs citer par cœur. Matthieu 6, verset 10. La Bible dit: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La partie qui m'intéresse, c'est la partie B de ce verset. C'est-à-dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un peut répéter cela? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore une fois, s'il te plaît. Est-ce que maintenant tu peux dire que ta volonté soit faite sur Martin? C'est-à-dire moi, tu y mets ton nom? Sur Martin, comme au ciel. Est-ce que tu peux le dire? Que ta volonté soit faite sur Martin, comme au ciel. Encore une fois. Père, enseigne-nous toi-même par ton onction. Éclaire-nous ta parole que les écailles tombent de nos yeux. Et qu'à la fin de ce programme, que chacun retrouve les rails de sa destinée, telle que prédestinée par toi, pour ta gloire au nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Merci, prenons place. Jésus était avec ses disciples et un jour, il va prendre la décision de leur apprendre comment prier. Avant d'arriver à ce verset, il a donné toute une série de conseils. Quand vous priez, ne faites pas ceci, faites cela. Entrez dans votre maison, fermez la porte et priez. Votre Père qui voit les choses dans le secret, il vous les rendra dans le secret. Ne multipliez pas de vaines paroles, ainsi de suite. Et à la fin, il va dire, voici comment vous allez prier. Alors il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ainsi de suite. C'est une prière qu'on appelle théologiquement la prière dominicale, que nous répétons, que nous récitons, n'est-ce pas, très souvent dans nos églises. Je suis pasteur, entre autres, de deux églises allemandes que nous avons mises ensemble. Là, tous mes fidèles sont des Allemands. Alors, chaque dimanche, le premier dimanche du mois, nous avons Sainte-Cène. Donc on ne peut pas finir les cultes sans réciter cette prière. Mais parfois, quand nous récitons cette prière, à force de la réciter, quelque part, elle perd sa valeur. Elle perd sa profondeur parce qu'elle devient juste comme une récitation. Et pourtant, chaque aspect et chaque mot dans ce verset, dans cette prière, peut faire objet d'une étude et d'un enseignement très profond. Rien que dire, par exemple, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ton nom soit sanctifié. Parce que la sanctification a trois aspects. Il y a l'aspect d'être mis à part, il y a l'aspect de la purification et il y a l'aspect de la glorification. Donc rien que dire, Père, que ton nom soit sanctifié, nous devons l'éclairer, comprendre, expliquer, pour savoir de quelle sanctification s'agit-il. Il n'est pas question ici de purifier le nom de Dieu. On ne peut pas le faire. Il n'est pas question ici de mettre le nom de Dieu à part, parce qu'il est déjà mis à part. Mais il est question de glorifier le Seigneur. Mais faudrait-il encore apprendre comment glorifier, les principes pour glorifier, et ainsi de suite. Vous comprenez que rien que le verset 9 peut faire objet d'une étude, d'un séminaire de 3 jours au moins.
Et j'en reviens, n'est-ce pas, à cette partie qui me concerne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je sais que vous savez, comme moi, que la Bible n'a pas été écrite en français au départ, mais qu'elle a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Et un cours d'exégèse oblige que nous puissions recourir aux langues anciennes pour que nous comprenions exactement, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Quand on parlait à un peuple qui a une culture, qui a une mentalité, qui avait une langue, qui avait des habitudes, une tradition, afin de pouvoir transposer cela en notre temps et ne sans pour autant tordre le sens de l'écriture. Sinon, nous pouvons dire beaucoup de bonnes choses qui touchent l'épiderme et les gens crient en bénissant le Seigneur tout en disant le contraire de ce que l'auteur lui-même m'a dit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors quand la Bible dit que ta volonté, arrêtons-nous là, on ne parle pas de ma volonté. On ne parle pas de la volonté de mon père. On ne parle pas de la volonté de mon pasteur. Mais on parle de la volonté du Père. C'est-à-dire le Seigneur, le Dieu, le Père qui a créé les cieux et la terre. Que sa volonté à lui soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La simple compréhension de ce verset nous amène à dire ceci. Avant que la terre ne soit, il y avait déjà une volonté de Dieu pour cette terre. Parce que, au fait, la terre doit ou devrait être l'expression de la volonté de Dieu au ciel. Je répète ça. La terre et tout ce qui se passe sur la terre devrait normalement être l'expression de la volonté de ce qui est déjà fait au ciel. Ça devrait être comme l'antichambre, une salle d'entraînement, un atelier où nous voyons comment les choses doivent être faites, établies ainsi de suite au ciel. Dieu ne demande pas à l'homme de prier en disant que ma volonté soit faite, que mes plans soient organisés. Mais il dit, priez en demandant que la volonté. Mais quand on parle de la volonté ici, n'est-ce pas, le terme utilisé en grec nous donne deux explications. La première explication, en ce qui concerne la volonté de Dieu, consiste en ce que il y a des choses que Dieu a planifiées d'avance. Il y a des choses que Dieu a programmées d'avance. Pour que ces choses soient accomplies sur la terre et dans nos vies, par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que Romains chapitre 8, verset 28, trouve son sens. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Mais pourtant le verset continue en disant, et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est très important. Pour cela, tout ce qui se passe dans leur vie est une expression ou devrait être l'expression de la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est dans ce contexte-là aussi que nous pouvons accepter ce que l'apôtre Paul a dit en disant, en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. Maintenant, la deuxième compréhension de la volonté de Dieu, il y a des choses qui doivent s'accomplir sur la terre, mais par nous. Je peux répéter ça? Il y a des choses que Dieu a prévues d'avance pour que ces choses soient accomplies sur la terre. La première partie, il y a des choses qui doivent être accomplies sur la terre et dans nos vies par Christ. Et il y a des choses qui doivent être accomplies sur la terre, non pas par Christ, mais par nous.
L'apôtre Paul dit que la nature tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc, s'il y a un problème avec la nature, c'est que c'est nous qui sommes responsables. Parce qu'il y a une part de responsabilité, il y a un travail que Dieu lui-même fait à nous et sur la terre, indépendamment de nos prières, de nos jeûnes, de nos calculs, de tout ce que tu peux imaginer. Mais il y a notre part de responsabilité. J'aime toujours le dire. Parce que j'ai l'impression que, surtout les chrétiens africains, nous avons habitude de tout rejeter entre les mains du Seigneur. Alors que la Bible répète à plusieurs fois, faites tous tes efforts. Faites tous tes efforts. J'aimerais donc dire à quelqu'un, Dieu ne fera jamais ce que toi tu es capable de faire. Amen. Jamais, never. Jamais. Dieu ne va jamais aller étudier à ta place. Amen. Dieu ne va jamais préparer une interrogation à ta place. Amen. Dieu ne va jamais faire une lettre de demande à ta place. Dieu ne va jamais étudier la Bible à ta place. Amen. Tu ne dois pas te mettre à dire, bon, je lis la Bible et puis j'attends maintenant que les explications vont commencer à passer. Non, 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 non. Tu dois travailler. Il y a le dictionnaire, il y a l'encyclopédie, il y a le dictionnaire français, il y a les différents. Tu dois te mettre à travailler, à faire boucher la tête parce que Dieu t'a donné ce que toi tu ne pouvais pas faire, l'intelligence. Maintenant, ce que toi tu peux faire, c'est utiliser cette intelligence pour accomplir certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je demande toujours à Dieu une grâce. J'ai vu le Seigneur faire beaucoup de miracles avec moi, dans ma vie et au travers de ma vie. Mais je demande s'il peut accepter, jusqu'avant ma mort, qu'il puisse opérer un miracle. C'est-à-dire, on a besoin de moi ici, et à 21h, je dois intervenir, par exemple, à Bruxelles. Dès que j'ai fini la prédication, je disparais par des transports spirituel et je me retrouve à Bruxelles. Parce qu'on a trop laissé ça entre les mains des sorciers. Faut te récupérer ma place à Bruxelles. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Merci Bishop, je ne parle pas d'autre chose que de ce que Dieu a fait avec Philippe. Amen. La Bible dit Dieu l'a. Il a transporté. Alléluia. Et puis il le fait tomber quelque part. Chaque fois prendre des avions, des bus, parfois ça fatigue. Mais si on peut se déplacer comme ça, c'est une chose merveilleuse. Pour ne pas bousculer la foi de certaines personnes, je vais vous entraîner à prier. Prions, allez, fermez les yeux. Et comme ça, je disparais de peur que certains. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il ne l'a pas seulement fait avec Philippe, il l'a fait avec Élie. Uh-huh. Je crois Élie ou Élisée, avec Akab. La Bible dit, il a dit à Akab, mais cours, va sur la porte de Jisraël. Et la Bible dit, le Saint-Esprit fit avec lui. Et il arriva avant Akab. C'est pourquoi, je ne sais pas, les Congolais ont découvert un adage Kokeneli Bosseza Kokomate, je ne sais pas. C'est-à-dire, aller, hein, être le premier à partir, ne signifie pas être arrivé. Je ne sais pas s'ils se sont inspirés de la Bible ou de quoi je ne sais pas. Mais qu'à cela ne tienne, pour que je me retrouve ici, il a fallu que je fasse un effort. Accepter l'invitation, programmer mon temps, organiser les transports, me disposer pour que je puisse être ici parce que c'est ma part de responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça quand on parle de la volonté de Dieu. Il y a des choses qui doivent être faites. Mais Dieu le fera par nous. La nature attend que nous puissions nous manifester. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont peur de la nature. On peut beau prier ici. Mais si un serpent se glisse ici, vous verrez comment on va.
Et pourtant, nous devons parler au serpent. Stop! Il s'arrête. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions gérer, dominer sur tout ce que Dieu a créé. Et laisse-moi te choquer encore. Ce n'est pas une prophétie ni une promesse faite aux chrétiens. C'est faite aux humains. Parce que la promesse et la bénédiction étaient faites dans Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Dieu ne parlait pas aux chrétiens. Dieu ne parlait pas à Israël. Dieu parlait aux humains. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir des enfants. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être riche. On n'a pas besoin d'être chrétien pour dominer. Il y a des gens qui gèrent, ils peuvent gérer 3 lions, 4 lions. Et ils logent avec des lions à la maison. Et nous disons toujours, c'est la magie, c'est la magie. Non, non, non. Avant la magie, il y a une capacité que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir gérer la nature. Amen. Il y a quelque chose qui ne se fait pas dans, sur cette terre parce que tu ne comprends pas qu'une partie de la responsabilité de Dieu, c'est toi, doit être accompli par toi. C'est ce que Jésus voulait dire quand il disait que ta volonté soit faite sur la terre. Arrêtons-nous là. C'est-à-dire que les choses que tu as prévues d'accomplir par le Seigneur Jésus-Christ puissent s'accomplir et que les choses qui doivent s'accomplir par l'homme puissent aussi s'accomplir. Mais que cela soit fait sur la terre comme au ciel. Donc il y a une volonté divine sur ta vie. Il y a une volonté divine sur ta famille. Il y a une volonté divine sur ton ministère. Il y a une volonté divine sur ton avenir. Et maintenant, quand je sors de ce passage pour aller piocher quelque chose dans le psaume 139, le verset 16, la Bible va nous dire ceci. Au fait, en anglais comme en français, les versions sont différentes. Je prends l'une de ces versions. La Bible dit que, il commence par dire au verset 12, merci de m'avoir fait pour moi, de moi, une créature merveilleuse. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu m'avais connu, tu m'avais tissé dans les profondeurs de la terre, ainsi de suite. Et au verset 16, il va dire, et tous les jours qui m'étaient destinés ont été écrits dans un livre, avant qu'un seul de ces jours ne puisse exister. Cela veut dire quoi? Si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu manges bien ou que tu es en Europe. Ce n'est même pas parce que tu n'es pas malade. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait d'accident. Mais c'est parce que le nombre de jours qui t'étaient prédestinés ne sont pas encore arrivés à leur terme. Amen. Je vous touquille ça. Si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu manges bien ou que tu vas voir ton médecin tous les jours. D'ailleurs, s'il y a des gens qui travaillent dans la médecine ici, ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde connaît maintenant, qu'il y a des produits qui sont faits, des produits pharmaceutiques qui sont faits pour réduire le nombre de vies. Parce que les occultistes, le haut échelon des satanistes estiment que la population mondiale, c'est un peu trop. Il faut éliminer environ 80%. Et les personnes qu'il faut éliminer facilement, ce sont les Africains. C'est pourquoi ils créent le sida, ils amènent là-bas, ils vous amènent des produits pour réduire. Vous comprenez? Pour réduire. Donc ce n'est pas à cause de produits pharmaceutiques que tu es vivant. Imagine les gens que tu as laissés en Afrique, à Lomé, à Yamoussoukro, à Douala, à Kinshasa, à Palanka. Ça fait des années qu'ils pleurent de souffrance, de manque d'argent, de manque de travail. Mais ils ne meurent toujours pas. Ils sont là. Et nous voyons en Europe des gens qui voient le médecin chaque mois, qui mangent bien, qui travaillent bien, mais il va dormir et le matin ne se réveille pas. Parce que c'est une décision de Dieu.
Et j'ai compris que Dieu, depuis que j'ai découvert ce verset, j'ai compris que même les sorciers ne peuvent pas tuer quelqu'un. La maladie, l'accident, le sorcier et tous les autres peuvent être le moyen que Dieu permet pour que ta vie physique arrive à la fin. Mais le sorcier ne tue pas. Parce qu'Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, c'est Dieu qui détient les clés de la vie et de la mort. Amen. Surtout pour nous les chrétiens. Il détient les clés de la vie et de la mort. S'il n'ouvre pas, personne n'ouvre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tes jours ne sont pas arrivés à terme, tu peux être dans un avion qui connaît un crash. Tout le monde sera surpris et le premier surpris c'est toi-même. De voir comment tu seras hors de cet avion et tu vois comment l'avion brûle. Pourquoi? Parce que les jours qui t'étaient prédestinés ont été inscrits dans un livre avant qu'un seul ne puisse exister. Et donc, chaque anniversaire, ce n'est pas une augmentation d'année, mais une réduction. Le 31, nous allons fêter bonne année, nouvelle année. Non, non. Dieu nous a donné une année de plus. Si les chrétiens pouvaient comprendre cela, alors ils diront ceci. Chaque le 31, c'est une réduction d'une année. Et à chaque fois que tu es en train de fêter ton anniversaire, ce sont les années qui sont en train d'être réduites, non pas augmentées. Ça va? Est-ce que c'est compliqué? Faisons le petit calcul. Dieu écrit quelque part, tu vas vivre 150 ans. Dieu écrit quelque part, tu vas vivre 50 ans. C'est déjà écrit. Hein? Prenons 100 ans, d'accord. Maintenant, tu viens au monde. Combien de vous savent en biologie que le premier jour où nous naissons, c'est le premier jour que nous mourons? Oh. Dès que tu nais, tu commences à mourir. Mais c'est ça, les cellules meurent. À partir du jour où tu nais, les cellules commencent à mourir. Oh là là. Vous êtes trop spirituel, hein? Dieu dit, tu vas vivre 100 ans. Tu as 20 ans. Et au jour de ton anniversaire, par exemple, moi, le 7 janvier, tu vas augmenter, il y a une année de plus. 20 ans, le 7 janvier, tu as 21 ans. Tu as augmenté ou tu as réduit? C'est réduit. C'est une réduction. Et tu vieillis. Mais c'est ce qu'on oublie. Chaque jour qui passe, nous ne rajeunissons pas, nous vieillissons. Et celui qui vieillit va à la mort. Pourquoi? À cause du psaume 139, verset 16. Dieu a déjà arrêté. Par une prière, Dieu peut décider, s'il y a vraiment une bonne raison, il peut décider lui-même de te rajouter 15 ans. Il peut décider de te rajouter un peu plus. Mais c'est écrit dans un livre. Et ce qui est curieux, nous connaissons le nom de plusieurs livres. Mais les livres dans lesquels on a écrit nos nombres d'années, le nom n'est pas connu. Mais maintenant, ce n'est pas tellement là mon problème. Pourquoi Dieu peut penser, préparer que tu vives 100 ans? Pourquoi? Est-ce pour voir la terre? Pour remplir la terre? Juste pour... tu viens de contempler la terre? Pourquoi il te donne 100 ans, mais à un autre, il ne donne que 3 jours? Et à un autre, il donne 60 ans. Et à un autre, il donne 80 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Parce que dans les calculs de Dieu, il sait que ce qu'il t'a confié à faire. D'ailleurs, le choix de ta couleur, de ta nationalité, dépend de cette volonté première de Dieu. Je vais aller plus loin.
le choix de ton père et de ta mère, c'est parce que tu dois avoir un caractère, une nature, une éducation, une mentalité qui correspond à des choses, d'une part, que Christ accomplira dans ta vie, et d'autre part, qui vont correspondre à ce que, à ce à quoi tu es appelé. Donc, je suis en train de dire, comme dans mon livre, tu ne peux pas découvrir ta destinée si tu n'as pas la lecture de ce que Dieu avait prévu d'avance pour toi. Il n'y a pas de destinée qui n'ait pas été prédestinée. Maintenant, l'effort de l'homme doit être haut. L'effort de l'homme, ne perd plus jamais ton temps à prier pour sonder le cœur des gens. Laisse-leur avec leur cœur. Tu as des choses plus importantes à faire. Je vais prier pour voir un peu ton état d'âme. C'est bien, mais c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je forme sur toi des projets de paix, des projets afin de te donner l'avenir, ainsi de suite. Maintenant, Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées, des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi tu utilises ces versets seulement pour connaître les cœurs des gens, alors que tu as tellement de choses dans ton cœur que tu dois connaître et que tu dois accomplir? Amen. Sonde ton cœur. Parce qu'il y a des choses que tu dois accomplir. C'est pourquoi le psalmiste a dit, apprends-moi à faire quoi? À compter mes jours. Le verset veut dire, aide-moi à mettre en valeur les jours que tu me donnes. Aide-moi à mettre en valeur les jours que... Vous savez, quand je prie, il m'arrive de dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait aujourd'hui que tu n'avais pas prévu que je fasse. Et pardonne-moi pour tout ce que je n'ai pas fait et que je devrais faire aujourd'hui. Normalement, la prière de la nuit et la prière du matin devraient être orientées en disant, Seigneur, merci pour la journée. Je crois avoir fait ce que je pouvais faire, ce que je devais faire. Révèle-moi ce que je vais faire demain. Pour que je sois d'une manière permanente dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu veut dire ceci. Faire les choses ce jour-là telles que Dieu avait prévu dans son agenda pour toi de les accomplir. C'est pourquoi même prêcher devient riche. Est-ce que tout ce que je suis en train de déballer ici, si Christ était ici en ce jour, est-ce que c'est ce qu'il devrait dire? Voilà pourquoi ceux qui pensent que le pasteur ne travaille pas, vous faites une grosse erreur. Parce que nous avons la responsabilité de déranger Dieu pour qu'il mette sur notre bouche des choses à dire comme si lui-même était là. En train de le dire. Quelle responsabilité! Je m'imagine que beaucoup de gens passent 6 mois à prêcher des choses qui ne sont pas dans les calendriers de Dieu. On peut parler pendant 10 minutes, mais si on a dit des choses qui sont dans le calendrier de Dieu, ça bouleverse le cœur. Mais on peut prêcher pendant 1 heure du temps. Dès qu'on dit Amen, c'est comme si c'était un balai qui vient balayer tout ce que tu avais dit. Parce que ce n'était pas dans le calendrier de Dieu. Et l'homme a le devoir de checker dans son cœur, de checker dans le cœur de Dieu, pour qu'il ne fasse pas seulement ce qu'il veut, non pas ce qu'il pense être utile, non pas ce qu'il pense être bon, mais veiller à accomplir ce que Dieu aurait fait à ta place, s'il était à ta place ce jour-là, en ce lieu-là. Et vous voyez que ça peut remettre toute notre vie chrétienne en question. Parce que tu as existé avant d'exister. Et quand
quand tu as existé avant d'exister, Dieu t'avait choisi. Parce que le choix, l'élection, et même l'onction, ça ne s'obtient pas ici. Ça s'obtient quand tu as existé avant d'exister. Dieu va dire, par exemple, à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Ce n'est pas tout. Je t'avais déjà établi. Donc vous comprenez que le choix, l'onction, qui est la qualification, et amen, et l'établissement, ne se font pas ici. Ici, nous nous manifestons. Voilà pourquoi j'ai dit dans une émission qu'il y a beaucoup de cordonniers qui devraient être des pasteurs. Et il y a beaucoup d'apôtres qui, en réalité, au ciel, ils étaient des cordonniers. Soit par la volonté de nos parents ou par notre propre choix. Beaucoup de gens ne sont que des copies des autres. Vous n'êtes pas authentique. Au ciel, Dieu t'avait connu comme étant un mécanicien. Mais tu as forgé les choses même jusqu'à corrompre le professeur. Tu es devenu médecin. C'est pourquoi tu as toujours des difficultés dans ton travail. Quand Dieu vient chercher pour te bénir en tant que mécanicien, tu n'es pas là. Tu es dans la salle d'opération. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pour nous qui avons avancé en âge, nous ne pouvons que supplier que Dieu ait pitié de nous, qu'il use de sa bonté et que le reste des jours qui nous restent, que nous puissions entrer dans la volonté de Dieu. Mais pour les jeunes, c'est le message, surtout pour vous. Parce que péché signifie péché. Je sais ce que les gens aiment dire comme péché. Mais en réalité, le péché signifie ne pas accomplir ce que Dieu t'avait demandé d'accomplir. Dans le choix de Dieu, dans l'onction de Dieu et dans l'établissement de Dieu, maintenant Dieu qui s'est fait dans la préscience, avant que tu ne sois, Dieu s'est dit, bon, par rapport à tout ce que je lui ai donné, il faut que son père soit comme ceci, que sa mère soit comme cela, qu'il soit de telle tribu, de telle nature, qu'il vienne de tel pays, et ainsi de suite, pour des raisons et des calculs qui sont propres à Dieu. Et après, tu viens faire que te manifester. Quand j'ai appris ces choses, j'ai 4 enfants, 2 très beaux garçons et 2 très jolies filles. Bourré de talent. Mais j'avais dit, je n'imposerai jamais à mes enfants ce qu'ils doivent faire après. Parce que je suis quelque part, quand on va vous présenter mon CV demain, je disais au vieux, tu me demandes le CV, tu seras fatigué de le lire. Hein? Parce que j'ai presque tout fait dans la vie. Pourquoi? Par manque. Moi, quand je suis né, j'avais beaucoup d'aspirations. Je voulais être journaliste. J'ai trouvé ça beau. Que les gens se tiennent devant la télé, faire le rapport de tout ce qui se passe dans le monde. Peut-être que c'est ce que je fais. J'aime bien maintenant faire le rapport de Dieu. Et quand j'ai grandi un peu, j'étais fasciné de voir que, mais comment, mais ce gars a vraiment volé. Ce gars a vraiment tué quelqu'un. Mais l'avocat se débrouille avec les articles pour pouvoir le défendre, ne fût-ce que réduire sa peine. J'ai dit, ce n'est pas possible. L'avocat sait qu'il a volé, mais il utilise les pour réduire la peine. J'ai dit non, 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 ça c'est ce que je veux. Défendre les gens, défendre les autres, ça c'était ma volonté. Or, étant l'aîné de mon père qui était dans le département de la santé,
Mon père avait aussi son projet. Comme la plupart de nous dans notre génération. Mon fils aîné doit être médecin. Alors, moi j'étais dans la joie de faire des choses, de telle sorte qu'après, nous on avait le cycle d'orientation, premier, deuxième cycle d'orientation, pour que je fasse le littéraire. Et bon, c'était comme ça, tu fais le littéraire et puis tu aboutis là-bas pour faire le droit et toutes ces choses-là. Et mon père aussi m'attendait au tournant. Ne sachant pas ce qu'il y avait dans mon cœur, mon père attendait que dès que j'arrive là-bas, il m'oriente en biochimie pour que je devienne médecin. Or, Dieu aussi, lui aussi, il avait son plan. Arrivé au moment indiqué, je termine par là. C'était une introduction aujourd'hui. Quand je veux faire ce que je voulais, mon père s'est imposé. Et à notre époque, tu n'as rien à dire à papa. Nous avons grandi comme ça. Papa n'a pas tort, il n'aura jamais tort. Jamais. Nous, on a grandi comme ça. Ce que papa dit, c'est ça, c'est ce qui est correct, c'est ce qui est juste. Il est né avant toi, il a fait des expériences avant toi, il ne peut pas te vouloir du mal et tout, donc c'est juste. Et donc, il va m'orienter à faire la médecine. Je dois vous dire que, comme je suis un homme qui n'aime pas échouer, je me suis battu pour bien faire mes études. Mais dans certains domaines, tu sens que ich musste kämpfen, comme on dit en allemand. Je devrais lutter un peu, forcer un peu. Et surtout que je ne suis pas allé à l'école maternelle. À 5 ans déjà, j'étais en première année. Je ne sais pas pourquoi mon père était pressé. Si bien qu'à 17 ans, j'étais à l'université. À l'université de Kinshasa, à 17 ans. Maintenant, mon père a utilisé toutes ses relations. Parce qu'il y avait un système de quotas. Il a utilisé toutes ses relations mouta pour que je me retrouve en médecine. Et Dieu aussi a utilisé toutes ses relations pour que je ne sois pas là-bas. On va parler des quotas, on va parler de ceci, de cela. Finalement, par rapport à mon pourcentage, ceux qui avaient plus de pourcentage que moi trouvent des places. Et moi, je n'avais pas de place. Et comme je ne devais pas rester à la maison, voilà comment je veux me retrouver dans un domaine qui était au fait ma bête noire. On m'envoie en prépodétique physique maths. On dit qu'il est dans ma carte. Maths physique. C'était la bête noire pour moi. Je ne suis pas très fort en maths. Mais voilà, papa a dit. Non, mais mon ami a dit, tu peux aller là-bas et après on va changer. Ok. Je suis allé à l'université. Mais Dieu est Dieu. Il a utilisé notre vieux président. Le vieux président s'est énervé, je ne sais pas pourquoi. Il a fermé l'université. J'ai dit, ah, oh, pour la première fois, j'allais échouer dans ma vie. Oh, que Dieu bénisse. On ferme l'université. Parce que je voyais déjà mon malheur. Parce que le premier exercice de maths qu'on a fait, c'était le décès scientifique. Tout le monde avait l'aile d'avion, ceux qui ont fait les maths physiques. Et moi, je ne sais pas si j'avais, je ne sais pas moi, j'avais, je ne sais pas moi quoi, quelque chose comme un père. Et puis le prof vient te dire, si ce n'est pas ta place ici. Il s'appelait professeur Mabonso. Il dit, toi, c'est une erreur ici. Toi, c'est une erreur d'être ici. C'était clair quoi, je vais échouer. Donc pour moi c'était la première année où j'allais échouer dans mes études. Mais Dieu s'est organisé. Il a permis que le président s'énerve. Il a fermé l'université. Comme ça personne n'a échoué, nous tous. Alléluia. L'année qui va suivre, papa me déplace, il me ramène à l'IPN. J'ai dit, IPN, moi devenir professeur maître plus tard. Parce qu'à l'époque, si tu fais ça, ta finalité c'est que tu deviens maître d'une école professeur. J'ai dit, moi? Mais papa a dit, tu ne peux rien faire. Les enfants, vous êtes heureux. Hein? Aujourd'hui, nous discutons avec vous.
Et parfois, vous dites, papa, je ne veux pas. À cause des 112, oui, j'accepte. Mais en autre temps, tu n'as pas le temps de discuter avec papa. Tu dois discuter comment? Il est né 20 ans, 25 ans avant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va m'envoyer en biologie. J'arrive en biologie. Au lieu que ce soit plus la biologie, c'était plus la botanique. Chaque jour, quand je reviens, je dois me retrouver dans une petite forêt, chercher les feuilles, examiner les... Je dis, c'est quoi ça? Je vous dis vrai. Pour ceux qui connaissent l'Emba, l'Imete, il y avait l'eau verte, qui n'était pas la verre foire, fikine. Je devrais aller là-bas, dans les marécages, là, chercher des trucs, avec la bouteille, prendre de l'eau, parce qu'on doit faire le microscope. Aïe, aïe. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, vraiment, Dieu m'aime. Parce que pour la deuxième fois, le président s'énerve encore. Il ferme l'université. Nous avons marché, marché, il a fermé l'université. Mon père a dit, s'il continue dans ces histoires-là, il ne va pas terminer vite. Voilà comment je vais me retrouver en train de faire l'économie et l'administration des entreprises. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai fait. Et après tout cela, je suis pasteur. Si je pouvais savoir à l'époque, si mes parents pouvaient sonder le cœur de Dieu et comprendre qu'il est appelé à devenir pasteur, j'aurais peut-être aujourd'hui même 10 diplômes de théologie. Avec toutes ces années, entre guillemets, que j'ai perdu. Parce que quelque part, ça peut être aussi la voie par laquelle Dieu a permis que je passe pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Et la Chine. Sans parler de tout le temps que j'ai passé en Chine. La Chine dans tout. Il y a une volonté de Dieu sur ta vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. C'est-à-dire que Christ accomplisse des choses prévues d'avance pour moi dans ma vie, mais que moi aussi à mon tour, je puisse accomplir, impacter la société, la vie, faire des choses sur la terre tel que cela est écrit. Une étude a été faite aux États-Unis, je termine. On a trouvé dans une université que 85% d'étudiants qui étaient là-bas ne faisaient pas ce qu'ils devraient normalement faire dans leur vie. Mais ils terminaient les études. Et à cause de cela, beaucoup de nous ne sommes pas vrais. Tu ouvres un magasin africain parce que l'autre a ouvert. Est-ce que c'est dans l'agenda de Dieu pour toi? Tu commences à aller à Dubaï parce que ça réussit à tel, ça réussit à l'autre, ça réussit, moi aussi je vais partir. Est-ce que c'est dans l'agenda de Dieu pour toi? Maintenant, quand tu vas échouer, tu taxes les autres de magiciens. Parce que si tu es sur les rails de Dieu, tu ne peux jamais échouer. Tu peux avoir des difficultés. Les difficultés deviendront des opportunités pour toi d'aller de l'avant, de réussir, de progresser. Parce que c'est là que la Bible va dire que ceux qui placent leur confiance en toi, ils transforment la vallée de Baca en des sources d'eau vive. Donc pour toi, la plus grosse erreur que le diable puisse faire, c'est de te placer dans la vallée de Baca. Parce que toi, tu ne vois pas la vallée de Baca, mais tu vois une source d'eau vive. Il y a beaucoup de gens que nous taxons des sorciers. Ah, c'est sûrement, ils sortent avec les... Non, ils réussissent parce qu'ils sont sur les rails de leur destinée. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu permets à Christ de faire des choses dans ta vie telles qu'il a fait depuis l'avance?
est-ce que tu accomplis les choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, le poste, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire à l'église, devenir dans, à l'église, au pays, partout. Est-ce que c'est dans le calendrier de Dieu, dans l'agenda de Dieu pour ta vie? Si tu peux répondre à cette question, alors tu peux frapper la poitrine et dire, je marche dans la volonté de Dieu. Et dans mon livre, j'ai essayé de proposer quelques petits principes que sûrement nous pourrons étudier demain pour arriver, ne fût-ce que à 80%, à reconnaître le chemin de Dieu pour ta vie. Parce que réussir, ce n'est pas avoir tout le bien du monde. Réussir, ce n'est pas avoir une belle voiture, beaucoup d'argent, un bon mari, une belle femme, des enfants intelligents, tout ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas réussir. Réussir, c'est faire sur la terre ce que Dieu t'avait demandé de faire. C'est ça, réussir. Mais Dieu n'est pas contre que tu sois riche, que tu aies une bonne famille, de beaux enfants, tout. Non, non, Dieu n'est pas contre. Mais ce n'est pas ça, réussir. Est-ce que tu peux dire comme Jésus, tétélestai, Seigneur, tout est accompli tel que tu l'avais dit dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux dire comme l'apôtre Paul ce jour-là, que j'ai combattu le bon combat, j'ai fait ma course et j'ai accompli ma course, j'ai achevé ma course. Réussir, c'est faire ce que Dieu t'avait demandé de faire. Jean-Baptiste est mort pauvre matériellement dans des conditions très tragiques, mais il a réussi. Salomon, avec toute sa richesse et tout ce qu'il a eu dans sa vie, à la fin, il a échoué. J'ai balancé tout de même sur Facebook il y a une vidéo qu'on a fait, comment est-ce que les apôtres sont morts? Aucun des apôtres n'est mort dans de bonnes conditions. Tel a été scié, l'autre a été empoisonné, l'autre a été, on l'a pendu la tête en bas parce qu'il dit je ne peux pas être comme Jésus. L'autre a été, c'est pas ainsi de suite, décapité. Mais eux tous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi. Qui veut réussir dans sa vie? Retrouve la volonté de Dieu et faites-la. Et tu peux dire, j'ai réussi. C'est comme moi.